Bienvenue dans ce deuxième jour de cours. Hier, nous avons vu un peu ce que c'était GitHub. Donc, on a regardé un peu ce que c'était SRC Copy, ADB, SideQuest, ce que c'est de développer sur Android et sur un Oculus Quest. Nous avons un peu vu ce que c'était GitHub, les répertoires. Nous avons forqué des projets. Nous avons essayé de créer nos propres dossiers dans le même projet commun grâce à l'aide de pull requests pour travailler en groupe pour contribuer à un projet. On a créé des fichiers, on a déposé des images, on a vu qu'on pouvait l'utiliser et pour travailler chez nous et dans le train et au boulot. On a installé la GitHub Desktop Application pour que on ait plus facile de le faire sans devoir faire des lignes de commande comme un développeur. Sachant que les développeurs utilisent fork, source ou command line. On a regardé un peu comment tout ça fonctionnait. On a pratiqué un petit peu en faisant du pecha-kucha pour regarder un peu les sujets de la VR qui sont intéressantes. Et on se retrouve au deuxième jour. Notre deuxième jour, on va aller un petit peu dans le concret. Basiquement, vous allez travailler avec des développeurs Unity qui font des jeux en Unity. Donc, il faut que vous puissiez faire des niveaux qui soient dans Unity. Je crois que vous avez déjà touché à Unity, donc normalement on peut aller dans Unity. Maintenant, vu que vous n'avez pas touché énormément à Unity, je vais faire un exercice qui est très con, très simple, juste au cas où. Mais qui demande quand même un petit peu de réflexion, d'où ces vidéos. Ok. L'idée, c'est que Unity a un outil qui s'appelle le Package Manager, qui est extrêmement utile pour pouvoir faire des boîtes à outils. Et aux développeurs que vous avez dans cette formation, je leur ai montré comment faire des boîtes à outils avec du code dedans. Nous, on ne va pas en mettre du code ici, parce qu'on est des level designers, on n'a pas besoin de mettre du code. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence en faisant un magnifique cube. Donc, première étape pour pouvoir faire notre magnifique cube, créer un projet de groupe qu'on va appeler notre, hein, notre, pas mon. Notre beau cube projet ici sur votre ordinateur. Puis on va créer un autre projet qu'on appelle un projet de quarantaine qui va commencer par Q. Nom du projet. Attention, on est en URP. On va ajouter le input système. On va aller sur Git et créer un petit répertoire qui se rappellera mon beau cube. Ajouter un README et puis la suite, on verra au moment voulu. Alors, c'est parti pour faire tout ça. Je passe sur l'écran de l'étudiant, comme ceci. Alors, on va dans Unity, ceci, et on va dire qu'on fait un nouveau projet. Alors, peut-être avant, il va falloir vérifier que vous avez bien installé Android. Charge juste au cours. Que vous avez Android. Et IL. Tout CPP. Alors, il faut d'abord vérifier que vous avez bien sur votre projet ici. Hop, on va aller ici dans la petite étoile, ajouter des modules. On va vérifier que vous avez bien Android Build Support, que vous avez bien OpenJDK et Android SDK et NDK Tool. Basiquement, c'est ce qui va nous permettre de faire de l'Android. On va vérifier que vous avez bien IL2CPP. IL2CPP, parce que IL2CPP va nous permettre de faire du quest. Vous pouvez mettre si vous voulez le WebGL, si vous voulez toucher au WebGL, mais ici c'est pas obligatoire. Visual Studio évidemment est installé sur votre machine par défaut. On est bon de mon côté, sinon vous il faut ajouter le module. On va créer un nouveau projet. Ce nouveau projet, on va commencer dans un template qui s'appelle Universal 3D pour dire qu'on veut faire de l'URP, qui est le modèle de rendu graphique de Unity, en tout cas pas, qui n'utilise pas l'ancien modèle. On va créer notre beau projet, notre beau cube, comme ceci, dans les projets Unity. Si vous choisissez votre compte, voilà. On va créer ce projet. Pendant qu'il est en train de créer ce projet-là, on va en créer un deuxième. Voilà, qu'on va mettre toujours en Universal 3D. Voilà, et ici, je vais l'appeler Q pour quarantaine, mon beau cube. Comme ceci. Dans ce projet de quarantaine, nous allons travailler sur la boîte à outils de notre beau cube. Voilà,
qui ici, basiquement, il va créer deux projets, donc, hein, A qui s'appelle mon beau cube et A qui s'appelle notre beau cube. Le Q, c'est pour quarantaine, donc en gros, ça veut dire qu'on va travailler dedans en quarantaine, on va faire des boîtes à outils qui sont séparées des projets, et on a notre beau cube, où là, on va mettre le cube de tout le monde dans la classe. C'est un tout petit peu ça, l'idée pour le moment. Donc, on va attendre que ça se charge. Pendant que ça charge... Voilà, j'essaie de voir si on peut pas voir les deux. Bon, pendant que ça charge, on va retourner sur le cours. Donc, on vérifie qu'on a bien Android, qu'on a bien UL2CPP. On crée un projet de groupe qu'on va appeler notre beau cube. On va créer le projet vide de quarantaine notre cube qu'on va appeler... Hop, comme ceci, mon beau cube, mon beau cube. Comme ceci. Oui, on n'a rien d'autre à faire pendant que c'est en train de s'installer, c'est pour ça que je suis en train de corriger en même temps le cours. Alors, c'est toujours en train de se builder, donc on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir s'assurer que c'est en Android, que c'est en IL2CPP. On va devoir créer notre truc, ça c'est ce qu'on vient de faire. On va devoir ajouter Input System, qui est un système qui permet d'écouter aux entrées clavier, aux manettes et des choses comme ça. Parce qu'on aimerait bien pouvoir, dans la suite du projet, qui n'a rien à voir avec le cube, ajouter un petit drone pour visiter la scène. Pour la suite, ça va être important. Donc on va l'ajouter dedans, parce que c'est toujours bien pratique d'avoir un truc pour jouer dans notre jeu. On va aller sur Git et on va créer mon beau cube package. Bah, ça, on peut le faire en attendant que ça se crée. Donc on va retourner hop, sur le projet des étudiants. On va aller dans mon Google, ici, de Ilwa Teaching. On va aller sur GitHub, voilà, on va créer un nouveau répertoire, comme ceci. Ce nouveau répertoire ici va s'appeler 2024-07-09, mon beau cube, hop, mon beau cube package. Voilà, un package d'un magnifique cube. Voilà, on ajoute un petit readme, on le crée. Voilà, on va pouvoir coller copier ce projet ici. Alors, faut que je me rappelle que vous êtes des designers et que vous n'aimez pas le code. Donc, on va utiliser GitHub Desktop. Voilà. Hop, hop. On va dire qu'on va vouloir cloner un projet. Donc, on va devoir On va faire clone repository. On dit qu'on veut cloner notre magnifique projet BeauCube. Et l'endroit où on veut le stocker, ça va être dans C, U pour Unity, mon beau cube quarantaine, asset. On va créer un petit dossier qu'on va appeler P pour dire package. Voilà. Pourquoi je mets des U et des P? C'est parce que Windows a une limite de longueur qui est de 255 caractères. Ce qui veut dire que si vous dépassez 255 caractères, vous pouvez avoir des problèmes avec Windows. Du coup, vu que j'ai des tendances à mettre des noms qui sont très longs et dans tous les sens, j'essaye d'éviter d'avoir ce problème. Donc là, c'est notre beau cube, c'est pas le projet qu'on veut. On veut Q notre beau cube, qui est le projet de quarantaine. Vous voyez que ici, notre application en interface graphique nous a cloné notre petit projet dans Unity. On va pouvoir travailler dessus. Ok.
Donc, on a README dedans, on a notre chose. Alors, malheureusement, pour pouvoir importer input système, ça va redémarrer Unity. Donc, on va aller dans package, ici, on va dire qu'on cherche après input. On va dire ici qu'on est dans registre. Voilà. Input. Voilà. Et on va dire qu'on veut l'installer. Et il va nous faire redémarrer le projet. Alors on peut déjà faire ça pour l'autre projet aussi. Voilà. Package Manager. On veut dans les registres de Unity ajouter input qui va nous permettre d'écouter aux entrées clavier. On installe, on va voir l'autre pour savoir ce qu'il est, où il en est. Il est en train de recharger. Et ici, il est en train de compiler. Donc, il va falloir attendre pour les deux et puis les relancer. En gros, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute la capacité d'écouter au clavier. Oui, tu peux redémarrer Unity. Pareil pour l'autre. J'attends qu'il me le demande pour notre beau cube. Et dehors. Voilà, là, 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 là. Il est toujours en train de charger le deuxième. Voilà, on va dire oui. Et il va redémarrer. Ok. Pendant ce temps-là, lisons un peu la suite. Donc, ici, on est en train d'apporter. On a créé notre fameux beau cube sur GitHub. On a ajouté un README, on va le cloner dans le dossier quarantaine, ce qu'on vient de faire. Ajouter le package JSON. Alors, c'est quoi un package JSON? Si on va demander à ChatGPT de nous générer un package JSON pour Unity, propose-moi un fichier package JSON pour une boîte à outils de designer, de level designer. Voilà. J'ai dit Unity. Ah, shit, j'ai pas dit Unity. C'est un tout petit peu différent pour Unity, du coup, je vais préciser. Le laisse terminer. Pour Unity. J'aurais dû mettre 3D. Bon, on va recopier ça. Désolé. On va reproposer ça. Nouveau. En Unity 3D. Voilà. Il va me proposer une solution. Ici, on voit qu'on va devoir donner un nom, une version. On va devoir donner un auteur. Attention que les dépendances, on n'est pas obligé de toutes les mettre. Voilà, il me propose quand même pas mal de chouettes choses chouettes. Voilà, on va copier tout ça. Comme ceci. On va aller dans notre boîte à outils sur notre autre ordinateur. Voilà. Alors, ici, nous, ce qu'il nous faut, c'est le projet de quarantaine. Donc, c'est le Q. Voilà. On va aller ici. On va dire Show in Explorer. Et on va créer un petit fichier package.json. Alors, aussi, package, voilà. Vous voyez que ici vous ne pouvez pas renommer. Alors, c'est en anglais. Yop, yop, yop. Package.json. Alors là, vous êtes en panique en mode mais pourquoi ça marche pas? C'est parce qu'en fait, ici, vous avez hidden item qui veut dire les dossiers cachés et file extension. Donc ça veut dire que vous voulez voir le bout des fichiers, que vous voulez voir les fichiers cachés. D'accord? C'est ça qui va nous permettre de voir le .json et de voir le .git qui est caché. D'ailleurs, sur Windows 7, ça ressemble du coup plus à ceci. Si je retourne sur Windows 7, voilà, c'est View. Non, hop. Je vais rentrer dans un dossier. Voilà, View. Show name extension and hide item. D'accord? On retourne sur le PC de l'étudiant. Voilà. Alors,
Ici, on a créé notre fichier package.json, on va l'ouvrir, on va copier ce que ChatGPT nous propose. Donc, je vais voir si mon logiciel va bien vouloir me laisser faire du copier-coller. Hop. Non, il ne voudra pas. Il ne veut pas, ce coquin. Bon, bah du coup, je vais aller le mettre dans le cours. Donc, si on va dans ici, puis qu'on va dans, hop, nouveau. Un exemple package.json comme ceci. On a en fait BE, votre nom, votre compagnie, puis ici le sujet, donc compagnie, subject, sujet, un titre. Une description de l'outil. Voilà. Alors ici, c'est la version minimale de Unity. Là, c'est la release de, si vous avez besoin d'une release de la version minimale. Bon, moi, je le retire parce que c'est pas nécessaire. Keyword, il a mis level design. Je suis pas sûr. Je crois qu'il a halluciné ici parce que je me souviens pas que dans le qu'il y a level design dans les mots-clés permis. Donc je vais le retirer. Auteur, bah, votre nom d'entreprise, votre mail si vous voulez, un URL. Dépendance ici, ça veut dire est-ce que vous avez besoin d'un outil d'Unity? Par exemple, nous, pour notre cube, si on avait besoin de input, on pourrait dire ici j'ai besoin de l'input en cette version minimale. Ici, en l'occurrence, notre cube n'a pas vraiment besoin d'input, c'est plus pour la suite qu'on a ajouté input. Donc on va retirer ces références. Comme ceci. Répertoire, ben, là où votre répertoire est stocké, le code de votre projet. Ici, en l'occurrence, je vais le laisser vide. Sample, ça vous permet de dire voici où j'ai un exemple à télécharger. Démo. Démo, how to use. Scène. Exemple comme ceci, une petite scène d'exemple. Comme ceci. Ici, basiquement, on va l'appeler démo default démo. Comme ceci. Ça veut dire que vous avez à cet endroit un dossier qui s'appelle défaut démo dans sample petite vague qui va cacher le fichier et qui va vous permettre d'avoir une démo. Donc en gros ici on va, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller sur le code de l'étudiant. Hop là-bas. On va retourner sur le cours. Hop hop hop. Voilà. Dans le cours, on va aller chercher le fameux package. Hop, comme ceci. On va le mettre ici, comme ceci. On va le sauvegarder. Donc, BE, je m'appelle Eloi Teaching. Hop, hop, sujet, mon beau cube. Version, ceci. Le magnifique. Cube des lois. Teaching. Ceci. Simplement un cube. Cube. Voilà. Ici, mon nom, bah, c'est Eloi Teaching. Comme ceci. Mon adresse, j'ai pas envie de la donner, donc je vais virer ce truc-là. L'URL, j'ai pas envie de la donner, donc je vais virer ce truc-là. Dépendance, on n'en a pas. Git, oui. Scène d'exemple, ça, on peut laisser ça comme ça. On va sauvegarder. Ok. Alors, maintenant que j'ai fait ça, j'ai mon fameux package qui est là-bas. Et donc, du coup, on a fait cette première étape. Voyons la deuxième étape. Alors. Tout, 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 tout.
On a ajouté notre package machin, on l'a rempli le package. Maintenant, il nous faut un petit dossier avec de quoi avoir un cube. Et il nous faut une scène vide avec un cube. Alors, c'est parti. On va créer ici, hop, une folder qui va s'appeler scène. Voilà. Dedans, on va aller sauvegarder la scène actuelle. Donc, P. Mon beau cube, scène, démo, mon du cube. Voilà. Dedans, on va aller créer un magnifique cube. Voilà. Alors, est-ce que dans celui-là, je parle déjà du centre? Oui, mais c'est pas grave. Ok. Alors, on fait mon cube. Alors, je crois que j'avais donné une nomenclature. Je regarde, personnalisé, non, je ne vais pas donner de nom, ok, mon beau cube, comme ceci, mon veau cube, évidemment, tiens, beau cube, dedans, je vais rajouter bah, cube, voilà, waouh, on a un cube, il va me falloir un petit matériel, donc on va devoir créer un dossier. Où on va contenir des matériaux. Matériel. Il va nous falloir un nouveau dossier où on va contenir des préfabs, comme ceci. Voilà. Et alors, pour la suite de l'exercice, il va falloir le mettre dans un dossier qui s'appelle ressources. Donc, hop, ressources, comme ceci. Voilà. On dépose notre magnifique cube dedans et on a notre fameux préfab dans les ressources. Attention que j'ai mis ressources dans le mauvais, c'est dans préfab ici. Il nous faut un petit matériel pour qu'il soit tout beau, tout propre. Donc on va créer un nouveau matériel. Voilà. Mon mat, mon beau cube matériel. Et là. Teaching. Bon, c'est peut-être un petit peu trop long ça. IT. Voilà, je le mets sur mon magnifique cube. Voilà, je lui mets une petite couleur yop 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 rouge transparent. Voilà. Alors, je le mets ici, il n'a pas vraiment mis sur le cube. Pourquoi tu prends pas? Ah oui, c'est parce qu'il est rouge transparent. Alors attention que ici, si vous n'avez pas URP et que vous n'êtes pas en unlit ou quelque chose comme ça, en lit, c'est que vous êtes dans l'ancien modèle et que vous n'avez pas installé Universal Render Pipeline. Voilà, on va le mettre comme ceci. On va dire qu'on le veut transparent. On le veut des deux côtés. Hop, comme ceci. Et alors pourquoi est-ce qu'il ne le traverse pas? Métallique, transparent, en lit. Supply. Alors, bon, ce qu'alpha clipping, c'est quand on veut que ça coupe, mais c'est pas notre cas. Pourquoi il me laisse pas le traverser? Désolé, j'ai un petit problème de mémoire. On aura deuxième cube. Non. Bon, juste pour le délire. Unlit. Transparent. Voilà. Je vais le mettre en Universal Render Pipeline. Lit. Opaque. Transparent. Metal. Additif. Comment ça se fait qu'il ne passe pas en transparent?
On va mettre une image, mais c'est pas une bonne idée. Ok. Ça m'est jamais arrivé. Évidemment, ça m'arrive quand je fais une démo, mais ça m'est... Ah oui, ok, oui. C'est parce que ici, quand j'ai créé mon magnifique cube, c'était un cube en dessous. Désolé. Hop, hop, hop. Voilà. On va retirer ça. Voilà. On va faire appliquer. Hop, hop, hop. C'est parce que j'avais fait un cube dans un cube. Il me semblait bien qu'il y avait un deuxième cube. Donc ici, vous voyez que mon cube, il est un petit peu transparent. Je vais diminuer le gizmo. Ouais. Donc vous voyez que j'ai un petit cube qui est un peu transparent ici et qui va nous permettre d'avoir un... Bah voilà, ça c'est mon cube à moi. Alors, si vous voulez, ici je parle du fait que on doit créer préfab, matériel, scène, qu'on doit créer une scène vide, on ajoute un cube dedans, on personnalise un peu le cube avec la couleur. Si vous voulez télécharger un petit cube, vous pouvez soit aller dans Love et vous pouvez télécharger un Companion Cube, soit vous pouvez... Allez dans Sketchfab, en télécharger un que vous aimez bien, ou vous pouvez simplement laisser votre cube en couleur et c'est bon aussi. Alors nous on va choisir un cube vite fait. Alors on va prendre le Companion Cube, c'est quand même plus marrant. Oh celui-là il est trop cool. Mais en même temps on possède pas ces cubes là, donc vous pouvez le faire si vous voulez pour apprendre, mais c'est pas nécessairement une bonne idée. Si on va regarder la licence. Licence. Ouf. 1 million de triangles pour un Rubik's Cube. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce... Quoi? Non, on va pas prendre un cube de l'extérieur. On va garder mon magnifique cube. On va juste mettre un petit rond dedans de mon côté. Ce sera bien suffisant. Voilà. C'est un magnifique cube qui possède une sphère. Waouh! Ici je vais dupliquer. Donc ici l'idée c'est que vous pouvez personnaliser votre cube, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre une sphère. Vous pouvez faire plein d'autres trucs. Sphère IT. Ceci. Voilà. ETS pour Eloi Teaching. Hein. C'est juste comme ça, j'ai mon matériel qui est séparé du reste. Ok, on va le mettre là-dessus. Comme ceci. On va choisir une couleur verte. Voilà. Waouh, vous sentez que je suis un graphiste. Hop, appliqué. Voilà. Magnifique. Alors, maintenant que j'ai mon magnifique cube qui est dans ressources, qui a son petit matériel et tout, on va retourner sur le cours. Ah, shit. Évidemment, j'ai pas montré. Donc en gros, tout ce que j'ai fait, c'était, désolé, c'était de retirer pour qu'il n'y ait pas de cube ici. J'ai un cube là-bas à l'intérieur, j'ai une sphère ici à l'intérieur, on est content. J'ai gardé le collider au cas où, comme ça je suis sûr que le collider est à la racine pour les collisions. Pas besoin pour l'exercice, mais voilà. Donc j'ai mon magnifique cube. Attention que le cube doit faire 1 sur 1 sur 1 sur 1 pour pouvoir avoir une racine qui est clean pour que le développeur derrière puisse prendre la taille qu'il veut pour votre cube. Donc on a ce truc-là, on est content. On va retourner du coup voir le cours. Alors, jour numéro 2. Nous avons créé les préfabs, nous avons créé le cube, nous avons créé les couleurs, on a mis un petit objet dedans, on crée un préfab du cube, ça c'est déjà fait. Ajouter un point vide au centre. Alors, l'idée c'est qu'on a un cube qui est utilisable, mais pour le projet que nous allons faire, on aimerait bien faire une pièce avec tous vos cubes dedans, pour pouvoir tous travailler ensemble sur la même pièce. Donc le but, c'est de pratiquer cette idée-là. Donc, ce que je peux faire, c'est de créer ici, et que vous allez faire du coup, vous allez créer ici un truc qui s'appelle Center Cube. Eloi. Non, c'est nom, puis prénom. Stray. Eloi. Voilà, donc ça. Mais par contre, je suis en tant que teaching, donc Eloi, donc c'est Eloi Teaching. Teaching comme ceci, mais vous devez mettre nom, prénom. Vous placez le cube dedans, et donc en fait, ce qui se passe si vous ne connaissez pas,
Avoir un petit cube bleu, ça veut dire qu'on a un préfab, c'est un objet qui est qu'on peut copier-coller et qui va rester le même, et quand on le modifie, ça va le modifier partout. Donc on a un préfab qui est pour notre cube, qu'on a mis dans ressources. Maintenant, pour le projet que nous on fait ensemble, on aimerait bien avoir 13 préfabs, un pour moi et 12 pour vous, un par étudiant. Et donc du coup, ici, on va créer un préfab, vous voyez ici, hop là, qui s'appelle Center Cube Eloi Teaching. Et en fait, ça, moi, je vais le mettre dans le projet commun. Et donc, si tout le monde fait ça, on va se retrouver dans une situation où on va avoir 13 cubes dans la même scène. Trop cool. C'est-à-dire que ici, mon cube, je vais pouvoir le bouger de place. Hop. Donc, vous pouvez bouger votre cube de place aléatoirement quelque part. Et on devrait avoir 13 cubes quand on va se synchroniser. Donc ici, je vais faire override. On va dire c'est bon, écrit par-dessus. Vous voyez que mon point de pivot, si je demande d'être au pivot, il est là-bas. Mon cube, il est là-bas, mais le point central de mon cube est là-bas. Donc on a deux préfabs, centre et mon cube. Ok, on a ça, on est content. Donc, ah, j'ai encore fait le con, j'ai encore fait le con, désolé. On a notre préfab et on a notre center cube avec center cube nom prénom et ceci c'est un préfab qu'on a dans ressources et celui-ci c'est un préfab qu'on n'a pas dans ressources, d'accord? Parce que ressources va nous permettre de charger des cubes et préfab ici c'est juste pour avoir un préfab de démonstration qu'on va pouvoir synchroniser entre tout le monde, d'accord? C'est un peu ça l'idée. Alors je vais rester sur ce PC. Comme ça je suis sûr de ne pas me planter. Une troisième fois. Alors. Nous disions donc, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous allons déplacer le cube dans le point vide, écrire un préfab de votre centre. Simplifier l'exercice. Nettoyer le dossier. Alors, vérifiez si vous avez ajouté des objets 3D, que rien ne traîne à la racine ici. Parce que le but, c'est évidemment de faire en sorte que rien ne traîne à la racine. Alors, moi, je ne l'ai pas fait pour mon projet, mais ici, vu que ChatGPT nous l'a proposé, je propose de faire quelque chose. Voilà, choper ça. On va aller dans Show in Explorer. On va créer un petit dossier ici, qui se nomme comme ceci. Alors, yep. Voilà, donc simple petite vague. Puis dedans, on crée un petit dossier qui va s'appeler comme ceci, Default Demo. Voilà, et voyez que il n'apparaît pas. C'est ça que j'aime pas dans cette technique-là. Est-ce qu'on peut juste mettre scène? Je crois qu'on peut juste mettre scène. Je vais faire un test avec vous, mais normalement, parce que, en fait, normalement, on est censé mettre sample petite vague, puis on met une petite démo dedans, et en fait, la vague, c'est pour dire ce dossier est invisible à Unity. Ce qui fait que, basiquement, il ne se retrouvera pas deux fois dans le projet, il n'y a pas besoin, et il ne sera pas copié dans certains cas. Nous, ici, on va simplement mettre scène, comme ceci, sauvegarder. Voilà. On est content aussi. Ça devrait marcher. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on est plus ou moins propre, il n'y a rien qui traîne là-bas, les dossiers sont beaux, on a tout ce qu'il faut, la scène elle est sauvegardée. On va aller dans notre petit logiciel Git qui s'appelle GitHub Desktop. Et GitHub Desktop, il me dit, bah, pour le moment, vous avez travaillé sur tout cet ensemble de fichiers là-bas, est-ce que vous voulez les sauvegarder? On va dire, ouais, tu peux add first version of the tool. Comme ceci. Attention que si vous faites une faute d'orthographe, elle sera éternelle. On commit. Donc on a fait un add et un commit. Donc on a ajouté les fichiers qui ont changé dernièrement. On a commit pour faire une sauvegarde locale. Maintenant on aimerait bien le mettre en ligne comme on a vu précédemment. Donc on va faire push. Alors ici on ne travaille pas sur un projet en commun, on travaille sur votre propre boîte à outils, donc on n'a pas besoin de faire un sync, contribute, pull, request comme hier. Ici c'est juste, on le met en ligne sur notre boîte à outils. Donc là, notre boîte à outils, elle est mise à jour. Donc pour vérifier que ça marche, comment on fait? Eh bien vous allez dans votre répertoire à vous. Voilà. Cherchez mon beau cube package. On va
copier notre beau cube package. Voilà. Et on va aller l'ajouter au projet qui s'appelle notre beau cube. Donc je viens dans notre beau cube. Je vais dans Package Manager. Voilà. Je vais dans Ajouter depuis un git URL. On ajoute l'URL de votre beau cube. Et là, il charge. Alors, si vous avez fait une erreur, il va vous mettre une erreur. Donc ici, il dit Package Manager, il dit enable to add the package, JSON position. Ici, il me dit que il a pas aimé le fait que dans Eloa Teaching, j'ai des retours à la ligne et qu'il y a des dépendances, un truc comme ça. Il y a un truc qui marche pas bien. Donc, on va remodifier tout ça. Donc, on va aller ici, on va ouvrir package et on va essayer de trouver là où ça va pas. Donc, il a peut-être pas aimé ici. On va le virer. Ici, on peut voir qu'il y a une virgule qui est en trop, c'est sûrement ça. Est-ce qu'il y a un autre endroit où j'ai fait des conneries? Non, je crois que c'est bon, je crois que c'était juste ça. On va sauvegarder. On retourne dans mon GitHub. On dit que j'ai mis une mise à jour. On la met en ligne. On retourne dans notre fameux notre cube ici. On va ajouter ceci. On l'ajoute. On vérifie si maintenant il veut bien. Voilà, alors ça a l'air de fonctionner. Voilà. On peut voir que le magnifique cube d'Eloa Teaching, ici il nous dit que ça vient de là-bas. Version historique, on a la version 1.0. Hop, hop, hop. Si changelog, il n'y en a pas. Dépendance, il n'y en a pas. Sample, on en a une. Si je fais apport, on a une magnifique scène toute prête ici qu'on va pouvoir aller explorer. Voilà, ici. Donc on a une magnifique scène avec Center, Cube et Eloa Teaching. Et alors en fait, si vous voulez prendre le préfab qui se trouve là-bas, vous pouvez voir qu'il se trouve ici. Donc admettons que vous faites votre propre scène, vous avez juste besoin de faire ça et pouf, vous avez le magnifique cube d'Eloa dans votre projet. Tadam! Donc si un jour vous avez besoin d'un cube avec un rond dedans, you welcome, vous pouvez aller chercher mon magnifique cube sur GitHub. Waouh! Alors l'idée c'est que vu que vous avez tous fait un magnifique cube et que vous avez tous réussi d'avoir un package qui est téléchargeable, ça veut dire qu'on peut faire un projet à 13 là. Alors, l'idée, c'est du coup de le passer aux autres personnes. Comment on va faire ça? Donc ici, je retourne dans le cours. Voilà, mon beau cube. Non, c'était pas dans mon beau cube, c'était dans... ici, puis on clique sur le fait d'aller dans le cours. On va sur la journée numéro 2. Voilà. On va mettre le lien ici, comme ceci. Alors, boîte à outils, centre on l'a fait, déposer on l'a fait, nettoyer on a fait, ajouter sur le GitHub on a fait, donner le lien à votre voisin et prenez-le sur Git. Bah, ici c'est pas vraiment le mettre chez votre voisin, vous pouvez, hein, vous pouvez ici, hein, mais nous ici ce qu'on a fait c'est surtout l'ajouter à notre projet. Non. Je veux pas forquer, je veux l'éditer. Alors je reviens tout de suite, je modifie un petit bout. Donnez le lien, allez sur GitHub, poussez le cube, donnez le lien à votre voisin sur GitHub. Et ajoutez-le à votre projet. Que j'ai appelé le projet notre cube, notre beau cube. Voilà, apporter le guide de le voisin. Ok. Voilà. Alors, ici, on a ajouté ça au projet de notre voisin et au nôtre. En le passant le git, ok. Donc, du coup, il faudra mettre votre beau cube sur le Discord. Alors, le truc, c'est que on pourrait s'arrêter là. Mais, vu que vous êtes des designers, on va aller voir un peu ce que c'est le dossier ressources. En fait, le dossier ressources sur Unity, si vous allez voir dans la doc, hop,
source, Unity. Voilà, c'est un fameux dossier assez spécifique qui, à l'aide du code ressources.load, va permettre de recharger des objets, basiquement. On va pouvoir charger un ensemble d'objets. Donc, voyez le développeur, lui, ce qu'il va devoir écrire, c'est ceci. Il dit, peux-tu me chercher un... Je regarde vite si on voit un exemple ici. Voilà. Peux-tu me rechercher l'objet qui a le nom glace? Je sais que c'est une texture, donc tu me le charges et puis tu me le mets sur l'objet. Donc tu voyais que le développeur peut aller chercher des objets à partir de son nom ou à partir d'un objet qui possède un script. D'accord? Donc il y a moyen de faire des trucs. Et c'est ce que j'ai fait avec mon outil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans votre projet de quarantaine, donc avec le gros cul. On va aller chercher le lien sur le cours, ici, qui est ce lien-ci, ici. Hop, hop, hop. Donc si on va voir à quoi ça ressemble sur Internet, on peut voir que c'est un répertoire Unity, qui s'appelle MonBoCube TagScript, qui possède, vous voyez, le même format qu'une boîte à outils, donc un paquet JSON. Donc en gros, on va avoir notre boîte à outils qui va utiliser une autre boîte à outils. D'accord? Donc ça, on va pouvoir aller dans votre projet de quarantaine. Alors, vous pourriez le copier ici, sur le côté, sauf qu'en fait, vous n'êtes pas censé le modifier vu que ce n'est pas votre boîte à outils. Donc, on va l'ajouter au Package Manager. Git URL, comme ceci. Voilà, on l'ajoute. Donc ici, on est en train d'ajouter une boîte à outils qu'on va mettre dans notre projet commun. Ce qui va nous permettre d'avoir un code qui est commun et qu'on va pouvoir utiliser tous dans notre petit package de cubes. L'avantage, c'est évidemment de pouvoir faire un jeu qui va utiliser tous nos cubes de la même manière avec un petit peu de code qui est commun sans pour autant être dans le même projet. Donc, vous voyez ici maintenant, j'ai mon beau cube script. Yay, chouette. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans le tutoriel ? Il nous dit qu'une fois qu'on a copié ce truc-là dans notre projet avec le Git ou avec le Project Manifest, alors c'est quoi le Project Manifest? Je vais vous montrer. En gros, ici, si je fais Show in Explorer, quand vous l'ajoutez dans l'interface graphique comme on a fait, en fait, ça vient dans le dossier qui s'appelle Package à côté d'Asset, Manifest, et vous voyez que ça ajoute ce fameux truc ici, en disant, en fait, on va utiliser cet outil qui est ici en ligne sur GitHub, d'accord? Et à travers le projet Unity, on a d'autres outils tels que TextMeshPro, TextInput, tels que plein de petits modules ici. Par exemple, vous voyez qu'on a de la physique 2D. Si on n'a pas envie d'avoir la physique 2D dans le jeu, pouf, on fait ça. Si on n'a pas eu de terrain, pouf, on fait ça, on n'a plus de terrain. Donc ça retire du code qu'on n'aurait pas envie d'avoir dans notre projet, par exemple. Si je reviens ici dans mon magnifique cube, vous allez voir que ça recharge. Et alors, ici, il me dit qu'il a un problème. No package load. Alors, il me dit qu'on a eu un problème à charger. Alors. Ah, c'est parce que j'ai rajouté un 4 sans le vouloir. Désolé. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je vous demande de faire? Je vous demande, hop, d'ajouter ce projet-là au manifeste pour pouvoir ajouter l'outil. Vous devez avoir un package, ajouter un préfab de cube, ajouter à votre préfab de cube ce script, mon cube crédit, mon cube centre route et mon cube GUIID. Ok, donc c'est parti. On va dans le préfab de notre cube. Ici, sur notre cube, on va rajouter, hop, mon cube crédit. Vous voyez qu'ici, il me demande mon prénom, mon nom. Donc, je vais dire que je m'appelle Eloi Teaching. Name, comme ceci. Mon nom, Teaching. Mon prénom, c'était Eloi. Mon portfolio, j'en ai pas. GitHub, j'en ai pas. LinkedIn, j'en ai pas. Quoi que GitHub, on en a un, du coup. Mon GitHub, il est ici. Répertoire. On va aller directement ici. On va s'en sortir.
Répertoire, voilà, comme ceci. On va le mettre là-bas. Et en fait, dans ce genre de script, ce que j'ai ajouté ici, c'est le fait de pouvoir ouvrir. Hein. Vous voyez que si je dis ici ouvrir GitHub, pouf là! Ce qui veut dire que dans un jeu, on peut dire, ah, ce cube-là, je l'aime bien, c'est qui l'a créé? Et puis pouf, on peut aller voir le créateur. Alors, c'est à ça que ça sert. Et aussi, il y a moi pour pouvoir identifier qui a fait quel cube. On va dire que le center root, il est là-bas. Alors, vous voyez qu'il a directement choisi mon cube. C'est un petit code que j'ai mis dans l'outil. Et on va lui donner un GUIID. Comme ceci. Un GUIID, c'est un ID qui est unique. Vous voyez, si je veux en changer un, je fais refresh GUIID, il va me donner un autre ID qui est unique. En fait, c'est extrêmement, 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 extrêmement peu probable qu'on ait le même ID un jour. Parce qu'il est très long et aléatoire. Maintenant, il est possible que ça arrive, mais c'est extrêmement rare. En tout cas, si vous voulez le rendre plus rare, vous mettez 2-3 GUIID et puis là, c'est impossible. Là, oh, ça suffit déjà bien. Donc, on a nos trois scripts qu'on a demandé. Voilà. Et alors, dossier de ressources, on l'a mis dans le dossier de ressources, oui. On va pouvoir le pusher. Alors, on va sauvegarder. Hop, GitHub. On va dire qu'on l'ajoute. On va dire qu'on le met en ligne, comme ceci. Voilà, on l'a mis en ligne. On va retourner dans notre beau cube. Et alors ici, dans notre beau cube, vous voyez que si je sélectionne mes cubes, ils n'ont pas encore les scripts. Pourquoi? Et parce qu'en fait, on les a mis en ligne sur GitHub, mais on n'a pas mis en ligne sur notre projet. On n'a pas mis à jour le cube sur notre projet. Donc on va aller dans Windows, Package Manager, et on va lui demander ici de se mettre à jour. Update. Voilà. Donc en gros, il va mettre à jour la boîte à outils qu'on a téléchargée. Voilà. En se mettant à jour, du coup, notre préfab s'est mis à jour. Ici. Et vous voyez que, il a une erreur. Alors, c'est quoi cette erreur? En fait, vous êtes dans un projet pour le moment qui ne possède pas la boîte à outils en question. Et cette boîte à outils, c'est laquelle? C'est la fameuse. Yep. Notre cours, il est là. C'est cette fameuse boîte à outils ici avec les tags. Ok. On va revenir dans notre package manager et on va lui dire, ah, j'ai oublié d'ajouter cette boîte à outils ici. On va l'ajouter. Voilà. On attend un petit peu. Et elle est rajoutée. Tada! Donc en gros, il faut faire attention que vu que notre outil, on fait un beau cube avec des tags dessus, notre magnifique cube, il a besoin aussi de ça. Alors pourquoi il ne l'a pas téléchargé tout seul? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que Unity a un système qui s'appelle Unity Package Manager, qui normalement dans les autres, dans l'autre industrie s'appelle NPM, qui est un outil qui permet normalement vous télécharger un outil. Et ça télécharge toutes les dépendances de cet outil. Par exemple, on va essayer d'en trouver un qui a une dépendance. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez cet outil. Il a une petite description. Ici, hop, il a une version historique avec tout ce qui s'est passé. Yaya, et il a une dépendance et qu'il a besoin d'utiliser Universal Render Pipeline. Donc du coup, quand vous installez ça, il va automatiquement installer Universal Render Pipeline. Sauf que pour ça, il faut l'ajouter sur le serveur de Unity. Mais on n'a pas accès au serveur de Unity et Unity ne va pas nous laisser l'accès à leur serveur. Donc du coup, si on voulait installer automatiquement, il faudrait utiliser un serveur. Et les serveurs, il y en a un qui existe. Alors je vous le montre parce que c'est pour la culture générale, mais c'est votre développeur où vous devez étudier ça si vous voulez apprendre à l'utiliser. Mais il y a un serveur gratuit pour l'open source qui s'appelle OpenUPM. Et si vous ajoutez votre package là, vous pourrez installer votre truc beaucoup plus facilement. Mais ça demande à votre équipe de savoir comment on l'utilise. Et c'est pour ça que j'ai tendance à ne pas l'utiliser. Parce que ça recrée une complexité à quelqu'un qui voudrait utiliser mes outils. Mais par exemple, ici, si vous regardez Jimmy, comme ceci, vous pouvez voir que j'ai un de mes outils qui est là-bas. Donc du coup, vous pouvez héberger vos outils. Alors, l'idée, c'est que vous le mettez sur GitHub.
ça que vous avez le répertoire là-bas. Puis en fait, dans OpenUPNP, vous allez juste dire mon package est public et il existe là-bas. Et eux vont référencer votre GitHub. Et puis faire tous les trucs pour qu'on n'ait plus qu'à faire pouf comme ceci. Et ça ajoute tout ce qui est dépendant de cet outil. C'est de la théorie parce que on va pas le voir en cours. Mais voilà, sachez que ça existe et que ça rend la vie beaucoup plus simple quand vous faites ça. Mais ici, vu que c'est pas le cas, on a dû ajouter à la main les deux. Donc on a notre fameux truc de tag ici qui est là et on a notre fameux magnifique cube qui est là-bas. Alors maintenant, ce qui est cool, c'est que si vous allez voir dans les scènes de mes tags, il y a une petite scène ici. Hop là. Alors vous voyez que moi, j'ai pas créé dans mon package un truc qui permet de faire un sample. Donc du coup, si je dois le faire à la main, je vais prendre ça et je le copie dans Asset ici, comme ceci. Voilà, et j'ai ma fameuse scène ici. Alors, on va pas la sauvegarder ici, on n'a pas besoin. Voilà. Alors, vous voyez que, hop, ici, j'ai des cubes dans ma scène qui permet de montrer un peu comment l'outil fonctionne. Vous voyez que j'ai un display solo ici et un display per name. Donc ici, si je supprime, parce que basiquement, je suis sur une copie du projet, je fais ce que je veux avec. Je vais faire clear, je vais faire yup. Charger et attendez, ici c'est spawn. Tadam! Vous voyez que ici ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait spawn des objets pour pouvoir montrer les objets. Et alors vous voyez que ici il va détecter avec les fameux scripts que je vous ai donné votre nom et votre prénom, et il va prendre tous les cubes qui vous appartiennent en fonction de votre nom et de votre prénom. Et donc ici, ça c'est les cubes de Eloi Stray et ça c'est les cubes de Eloi Teaching. Donc en gros ici, dans la théorie, pendant le cours, on devrait avoir, pouf, 13 cubes si vous ajoutez celui de vos collègues. Donc on aurait le mien, celui d'Eloi Teaching, donc on en aurait 14. Et celui de démo, celui de Eloi Teaching, puis les 13 autres cubes. Alors, il y a un autre script ici, voilà. Et en fait, celui-ci, ce que ça va permettre de faire, c'est ceci. Previous, vous voyez que ça passe de l'un à l'autre et vous pouvez regarder tous les cubes. Bon, ici il faut que je recharge la liste, refresh, pour pouvoir voir le mien. Alors là, on fait ce qu'on fait des trucs dans l'éditeur, donc on devrait être en mode play, mais ici j'ai fait les codes qui fonctionnent aussi en mode non play. Et donc voilà mon magnifique cube. Donc, basiquement, si vous utilisez ça dans votre jeu, ou dans la démo qu'on fera tantôt, et ben en fait vous êtes censé pouvoir voir tous les cubes en réalité virtuelle. Si par exemple je mettais ici un petit loop, hop hop hop, loop, mon cube loop, je fais onTick et je vise vers ceci, comme ceci, c'est ce qu'on appelle un événement, un unity événement. Je vais dire que je veux qu'il change de cube. Qu'il aille au suivant. Donc ici, toutes les 0,2 secondes, il va changer de cube. Il va aller au suivant. Je fais play. Tada! Bon, ici, si je mets une seconde, ce serait peut-être un peu mieux. Voilà. Tada! Donc l'idée ici, que je veux pouvoir vous montrer, c'est le fait que si vous faites une boîte à outils et que vous l'ajoutez au projet, que votre cube se trouve dans le dossier ressources, on peut aller le charger et le développeur peut dire, bah, si je possède ce script-là sur l'objet, c'est un script que je vais pouvoir utiliser dans mon jeu. Donc vous allez pouvoir charger des niveaux, vous allez pouvoir les charger des équipements, vous allez pouvoir charger des différentes pièces du jeu. Une arme, plein de choses, vous pouvez les charger dans ressources. Nous n'allons pas voir dans ce cours-ci comment charger en temps réel des ressources du web, mais il y a quelque chose qui s'appelle un asset bundle ou un addressable bundle, qui en fait, c'est un outil qui permet de dire là-bas en ligne, tu peux aller chercher ce bout de jeu et le télécharger localement dans le client de l'utilisateur, dans le client du joueur. Et alors vous pouvez le charger soit de manière permanente, c'est-à-dire que quand il va relancer le jeu et qu'il n'a pas Internet, ça reste, soit de manière temporaire,
où quand il quitte le jeu, ça disparaît, mais on peut charger des contenus. Et quand vous faites ça, ces contenus seront dans ressources. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez faire des jeux où on charge en des contenus supplémentaires qu'on va pouvoir charger ici dans le jeu. Mais vu que le cours, je ne veux pas aller trop loin, que vous êtes des designers, que vous n'êtes pas des développeurs, je ne suis pas allé sur le sujet, on n'a que 3 jours ensemble. Nous ici, on veut voir la réalité virtuelle, donc on ne va pas aller vers là. Alors, retour sur le cours. On a rajouté ça dans les deux projets. On a on a rajouté les fameux 3 sur nos outils, on les a mis en ligne, on les a mis en ressources, on l'a poussé sur Git. On a ajouté le lien du Git. Ah non, on l'a pas encore fait ça. Donc. Alors, maintenant le truc, c'est bien beau d'avoir fait un cube, mais il faudrait le partager au groupe. Donc, on va aller chercher mon beau cube. On va choper le lien qui est là-bas, comme ceci. Je vais aller dans notre projet d'hier, qui est mon XR Design Group Fork. Voilà. Je vais aller dans Eloa. Je vais aller dans. On avait dit qu'on a. Alors, je vais. Hop, comme ceci. Voilà. 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 Ok. Il me demande d'aller dans nom prénom. C'est ce qu'on a fait. On crée un dossier package. Donc, on va faire ajouter un fichier. Package slash readme.md comme ceci et dedans mon magnifique cube est ici comme ceci voilà donc ça comme ça vous l'avez au cas où si vous devez le rechercher vous savez qu'il est là. Donc ça, c'est pour votre propre utilité. Vous savez que votre package se trouve là-bas. Maintenant, il faut l'ajouter au manifeste commun. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller à la racine, ici. Et vu qu'il n'y est pas, on va l'ajouter nous-mêmes. Comme ça, on va aider un peu Eloi. On va rajouter un fichier, ici. Hop! Qu'on va appeler manifeste.json. Dans ce manifeste ici, on va rajouter, c'est plus, on va plus l'appeler to copy in manifest. Manifest.md. Voilà, comme ceci. Et on va rajouter le lien. Hop, git link. Ceci. Alors, si vous voulez nous aider, hop, with namespace, ceci, on va faire ceci, virgule, et ces 2 points ici, on va mettre le fameux lien Git, comme ceci. Et alors, c'était quoi notre nom de package? On va aller vérifier. On va aller choper ici notre fameux ici nom de package et on va le mettre devant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est le lien où se trouve votre projet. Et ça, c'est quelque chose qui permet de copier-coller dans le manifeste en mode c'est bon, c'est prêt. Donc dans la théorie, ici, on va avoir en fait 13 liens. Donc on a 0, on a. Comment je fais pour. Parce que si je le fais, ce sera moins copier-collable. Je peux pas mettre de commentaires. On va laisser ça comme ça. Basiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on aura 13 étudiants. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Comme ceci. Alors, on va avoir des conflits. C'est-à-dire que ici, vous allez devoir ajouter vos liens, mais vu qu'on ne sait pas qui va l'ajouter dans quel ordre, on va avoir des conflits à résoudre. Ne vous inquiétez pas, ça va être le foutoir, mais c'est pas grave, on va y arriver. Ça, on le fera en cours parce que c'est difficile de le montrer quand je suis tout seul. Mais basiquement, quelqu'un va rajouter une ligne ici, quelqu'un d'autre va rajouter une ligne ici, donc il va y avoir un conflit. La machine va me dire,
je résous en faisant quoi? Et on va dire, bah, je prends les deux, ou j'en prends qu'un seul. Nous, ici, quand on va faire ça, à chaque fois qu'il y aura conflit, on va prendre les deux et on va les mettre l'une derrière l'autre jusqu'à ce qu'on ait les 13 étudiants ici, enfin, les 12 étudiants plus moi-même. Ce qui va faire qu'on aura après la capacité de générer tout cela. Et une fois que j'aurai ajouté tout ça à mes projets, tout ça au projet principal, je viendrai le mettre ici, comme ça tout le monde pourra juste copier ça dans le projet. Et on se retrouvera dans une situation comme ceci, je vais vous montrer. Je reviens sur mon ordinateur à moi. Discord. Ah, peut-être que j'ai peut-être pas besoin d'aller dans Discord. Je crois que j'avais mis un lien. Voilà. Voilà, ça ressemble à ceci, vous voyez? On a ici un projet où on était 12 étudiants développeurs. Et on avait mis nous des petits cerceaux, des petits drapeaux pour faire un circuit de drone. On les a mis ici dans un certain sens. Et ça nous permettait de faire un jeu de drone commun. Là, vous voyez qu'ici on a centre, puis on a nom, prénom. Et ici j'ai pas été très respectueux sur les noms. Donc vous voyez qu'ici par exemple, lui j'aurais dû mettre un underscore. Donc j'aurais dit refuser ou lui demander de modifier. Mais j'ai foiré ma semaine avec les développeurs. Et donc du coup, j'ai pas pris le temps de tout faire correctement. Donc ici, basiquement, on a les 13, les 12 développeurs qui sont dedans. Hop, enfin les 9 ici, parce qu'il y en a deux absents et un qui était malade. Touloulouloulou, c'est ça l'idée. Alors, et donc du coup, niveau du code, ça ressemblerait plus à ceci. Quand on sera en cours, ça ressemblera à ceci. Voilà. Donc on aura en fait des boîtes à outils que moi j'ai données. Qui vont permettre de faire différentes choses dans le projet. Par exemple, d'avoir un drone, par exemple, d'avoir les cerceaux du drone, d'avoir une petite boîte à outils à moi, d'avoir le guide qui permet de faire qui permet de plus facilement faire du guide dans Unity. Donc, il y a plein de petits outils à moi. Et puis, on a les packages des étudiants ici qui se trouvent là-bas. Donc, ça ressemblera à ça, notre truc. Alors, touloulouloulou, on revient sur votre écran. Là, notre fameux Eloi Teaching, là, notre étudiant, hop, il a besoin maintenant de dire qu'il aimerait bien mettre tout ça à jour. Qui va dire qui veut synchroniser son travail. Comme ceci, il n'y a pas de conflit. Qui veut contribuer. Voilà, il dit qu'il aimerait bien rajouter tout ça. Oui. Add of my beautiful cube. Voilà. Maintenant qu'il a envoyé la contribution, je peux aller sur l'ordinateur administrateur qui est le mien. On va aller sur le projet principal. Ici. Non, c'est pas celui-là, c'est fork. C'est court. Voilà, je vois le pull request de un étudiant. Il me dit qu'il a ajouté dans son copy manifest son lien et qu'il a aussi ajouté dans sa branche le fameux fichier README. Alors, on va dire oui. Voilà, et donc techniquement, dans le projet de groupe, dans le projet commun, vous voyez que ici maintenant j'ai son package et dedans je peux aller chercher son lien. Et ici dans le manifeste, s'il n'y en a pas trop de conflits, on aura hop, le projet de tout le monde. Ok. Et donc du coup, on retourne à l'exercice sur le truc de l'étudiant. Et on y est presque en fait, hein. Donc on a ajouté notre package, on copie le lien sur le Discord au cas où, comme ça on choisit lequel est le plus facile. On a notre fameux truc avec les 13 boîtes à outils dedans. Écran devrait être affiché sur tous vos cubes. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est attendre que je synchronise tout le monde. Et puis vous allez pouvoir copier ce fameux manifeste dans votre projet ici. Donc dans notre beau projet, donc pas celui de quarantaine, hein, dans notre beau projet. On peut faire Show in Explorer, Package, Manifest. Et là, vous allez pouvoir copier ici. Les fameux 13 liens de tout le monde. Simplement. Donc en gros, vous pouvez genre faire comme ceci, puis vous faites copier-coller de ce qu'il y aura en ligne. Et donc voilà. Tun, tun, tun.
Comment on fait pour créer une boîte avec un joli cube? Vous allez me dire, ça fait beaucoup d'étapes. C'est parce que j'ai besoin de les expliquer, mais ça permet de faire des boîtes à outils. Imaginez-vous que vous voulez une boîte à outils avec une cuisine avec plein d'ustensiles, des petits couverts, vous voulez des assiettes, vous voulez plein de des verres, vous voulez des chaises, des trucs comme ça. Mais en fait, vous faites votre boîte à outils comme on a fait ici, vous faites plein de petits préfabs pour tous vos outils, puis vous créez une petite scène de démo. Hop, vous la mettez en ligne et vous avez une cuisine pour tous vos jeux. Admettons que vous voulez un drone. Eh bien, je vous montre. Hop, 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 comme ça, ce sera déjà dans le projet. Non, c'est pas le. C'est sur ça que je dois aller. Comme ceci. Alors, si je veux un drone, je vais dans les trucs des lois. Je cherche Root of Knowledge. Vous voyez que ici il y a un truc avec un drone. Je copie le projet de Eloi. Je vais dans mon petit projet mon beau cube. Package. Ajouter. Hop. Un git URL. On ajoute ça à mon beau cube. Vous voyez qu'il charge. Ok, on a notre fameux root of knowledge. Je vais pouvoir prendre dans Root of Knowledge. Est-ce qu'il est. Vous voyez? Désolé, j'ai un trou de mémoire. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas ajouté? Il a eu un problème ou il est possible qu'il y ait eu un problème à le télécharger? Non, il est là. Hein? Hein? Alors, je vais sortir du projet et revenir parce que des fois c'est juste ça. Mon beau cube. Ok. Refresh peut-être. C'est peut-être parce que je suis en play mode et que ça va sûrement pas refresh. Me suis dit, bon, je suis en play mode, ça va rien changer. Non, si, il faut arrêter le play mode parce que sinon il ne charge pas le package. Donc ici, on a ajouté un package de Eloi qui s'appelle Root of Knowledge. Dedans, vous voyez que maintenant, on a ce truc-là. Dans Root of Knowledge, si je vais chercher la scène ici de démo, que je la copie. La racine de mon projet, hop, je la mets dedans et vous voyez que ici on a un petit drone, un petit hop hop hop, on a un joli drone ici qui est jouable. Alors la caméra, si je me souviens bien, dans la démo j'ai oublié d'ajouter le fait qu'il suive la caméra. Donc ici je vais rajouter un follow comme si drone transforme. On va dire que on veut bouger mon drone. Et notre drone qu'on va mettre dans notre scène, on veut que. Ah non, je suis désolé, je fais de la merde, je fais de la merde, je fais de la merde. On va décharger la scène parce qu'on n'en a plus besoin, on va pas la sauvegarder. On a notre magnifique drone ici. Sur la caméra, on va dire qu'elle veut suivre le drone. Follow. Ouais, je sais ce qui se passe aussi. Je devrais faire un préfab, ce serait beaucoup plus simple. Ah, mais j'en ai pas de préfab dedans. Attends, préfab. Non. Faut vraiment que je travaille un petit peu cet outil-là et que je rajoute le fait d'avoir la caméra. Donc, follow drone, comme ceci. On le met en 0,0. Désolé de ne pas avoir préparé cet outil-là plus correctement. Je vais essayer peut-être de le changer pour notre cours. Follow drone, je mets ma caméra dedans. Je la mets un petit peu éloignée, genre à moins 2, comme ceci. Moins 2, c'est peut-être un peu beaucoup. 0,2, voilà. 0. 4 comme ceci, moins 0,3, 1 comme ceci, voilà. Et on va demander à ce point vide de follow, hop hop hop, notre magnifique drone ici. What to move, what to follow, c'est ça, et what to move, c'est ceci. On va mettre un lerp qui est assez important et un update parce que c'est la caméra qui suit.
Donc maintenant, ce qui va se passer, je regarde si j'ai ma manette. Voilà. Je vais faire play. Hop, hop, hop. Voilà. Oh, tiens. Pas l'air de fonctionner. Est-ce que ma manette est bien en mode Xbox? Normalement, oui. Mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? On a notre fameux drone. On a notre télé. Il est censé fonctionner, mais il fonctionne pas. Alors, je vais débrancher ma manette. Je vais rebrancher ma manette. Je vais la passer en mode Xbox. Voilà. Le input, il est bien dedans. On vérifie. Input, 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 input. Il est bien dedans. Alors des fois, ça peut être simplement qu'on n'a pas rajouté dans le projet un petit détail ici qui est qu'on veut input. Input manager, on dit qu'on veut bien l'ajouter. Alors voilà. Alors ça pourrait être le fait que j'ai oublié de dire qu'on veut les deux. Running background, c'est toujours bien cool. Other setting ici, on va dire qu'on veut rajouter les deux. Ouais, c'est bon, on a les deux. Normalement, ça devrait marcher. On va réessayer. Si on n'arrive pas, on va passer à la suite. Voilà. Et ça a pas l'air d'avoir fonctionné. Pourquoi ça n'a pas l'air de fonctionner? Hop, hop, hop. Ok. Va savoir pourquoi. Ça ne marche pas. Ici, ça nous permet de bouger le drone, mais apparemment, il trouve pas ma manette. Alors, qu'est-ce qui aurait pu faire que ça fonctionne pas? Ma manette, elle est bien là. Hein. Je me permets de vous montrer, du coup. On est ici. Unsupported, touch, ni. C'est peut-être qu'on voit pas ma manette. Parce que là, je la vois pas, la manette. Je vais brancher. Si je laisse enfoncer pendant 8 secondes, elle apparaît pas. Non, donc je vais essayer de brancher ma manette. C'est peut-être le port USB alors? On va essayer sur un autre port. Est-ce que ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend la manette Xbox. On la synchronise. Ah non, je sais ce qui se passe. Ah désolé, je viens de comprendre. Je suis sur un ordinateur qui est à distance de l'autre côté du monde. Et donc du coup, ma manette n'est pas branchée de l'autre côté du monde. Mais vous, ça devrait marcher. Le drone devrait bouger, mais moi ici, bah non, parce qu'il est, il est pas sur mon PC, il est à de l'autre côté sur les serveurs de Shadow. Alors, c'est pas grave. On va rester comme ça. Donc, basiquement, votre drone, il va bouger. Et on est à la fin du cours. Basiquement, ça aurait pu bouger et tourner autour de votre fameux cube qui est ici. Et hop, on aurait pu aller visiter tout ça avec le drone. Est-ce que je peux l'ajouter? Je vérifie un truc. Si je fais... Et puis après, je ferme la vidéo, c'est trop long. Si je fais Windows MO... Non, on va s'arrêter là. Donc, a priori, on est à la fin de cet exercice qui était un peu long. Voilà. On finira peut-être à midi, hein, j'en sais rien. On verra bien en fonction de la vitesse du groupe et en fonction de la vitesse de l'exercice si on arrive à le faire le matin ou l'après-midi. Alors, une fois qu'on a fini cet exercice-là, on va entamer le fait de le faire fonctionner avec Meta, qui est le casque de réalité virtuelle. Et donc du coup, pour pouvoir faire ça, on va commencer une vidéo numéro 2. Ok? Il est 1h14, donc ça nous a pris 1h14 avec plein de petits détours. Est-ce que je vous montre comment on sauvegarde le projet?
Comme ça, c'est fait pour méta. Ouais, je vais faire ça. Alors, petite différenciation que vous n'avez pas trop besoin de savoir, parce que c'est plus le développeur qui va gérer ça que vous, le designer. Mais vous allez travailler dans un projet de développeur, donc ça vaut la peine d'en parler. Et il faudra que je rajoute ça au cours. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de faire une boîte à outils qui va dans le package. Maintenant, ce que là, on est en train de manipuler, c'est ce qu'on appelle un projet. Si vous voulez sauvegarder le projet Unity, d'accord, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire Show in Explorer. Alors, est-ce que je vous montre ça comme ça? On va montrer ça comme ça. On fait Show in Explorer. Vous voyez qu'il y a Asset là-bas. On a toute l'architecture du projet. C'est trop cool. C'est ce qu'on veut. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de mettre ça sur GitHub. D'accord? On va aller sur ici notre fameux petit GitHub. On va dire qu'on veut ajouter un nouveau répertoire. Ce nouveau répertoire, on va l'appeler notre beau cube. Voilà. Alors, moi, ma convention de nommage à moi, mais vous n'êtes pas obligé de la respecter. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de la respecter parce que prenez voilà, celle que vous aimez bien, c'est de mettre toujours la date de départ du projet parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile à trier sur les disques durs. Donc en gros, je sais que c'est à cette date-là que j'ai commencé ce projet. Donc du coup, je lui donne ce petit nom-là. Je lui dis que l'endroit où je veux le stocker, c'est ici dans notre beau cube qui n'est pas le projet de quarantaine. Hein. Le projet de quarantaine, vous ne le mettez pas sur GitHub parce que c'est une sorte de projet que vous pouvez jeter. Parce que si vous avez ici un git dans un git, ça ne va pas aller, ça va créer des problèmes. Parce que un git dans un git, ça devient très 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 compliqué. Donc ici, nous, c'est juste qu'on veut sauvegarder ce projet-là qui possède votre boîte à outils, celle de vos potes. Donc pour vous-même, hein, je veux dire. Donc ici, notre beau cube, on va dire que c'est ça qu'on veut sauvegarder. Alors normalement, il est censé être vide. Donc je suis pas sûr qu'il va bien vouloir nous laisser faire. Et ici, il nous propose des gitignore. On peut lui dire bah, que nous, on travaille dans Unity. On va voir ce qu'il nous propose. Licence, bah, vous choisissez votre licence. Si vous n'en mettez pas, il n'y a aucun droit d'utiliser. Si vous en mettez une, bah, vous avez choisi votre licence. Il n'y a pas la beerware, il n'y a pas la beerware. Créer le répertoire. Voilà. Alors, il a bien voulu me le créer, mais comme vous pouvez voir, il l'a créé un peu trop haut. Donc je vais prendre les fichiers, les copier et je vais les descendre d'un cran ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Du coup, c'est pas à cet endroit-là. Donc il me dit, mais attends, il y a un problème là, où est-ce qu'il est? Je dis, non, en fait, je l'ai mis un petit peu plus bas. Voilà, je l'ai mis là. Alors vous voyez qu'il me dit qu'il y a plein, désolé, il y a des moustiques, qu'il y a plein de fichiers qui ont été changés et qu'il faut mettre en ligne. Il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas un intrus, c'est-à-dire trop de fichiers ou des fichiers aléatoires ou des fichiers qui sont dans librairie, dans log. Ici, vous voyez qu'on n'a pas de fichiers bizarres, donc ça a l'air d'aller. Donc, on va pouvoir dire bah, save of notre beau projet avec mon cube. Tadam! Sauvegarder. On dit qu'on veut le mettre en ligne sur notre répertoire Git. Alors là, ça va être le premier push, vous voyez, public repository. Parce qu'en fait, on peut travailler hors ligne, dans le train, sur un nouveau projet. Et puis quand on arrive et qu'on a Internet, on peut le mettre en ligne. Hop là. Voilà, keep this project private. Alors, je l'ai laissé privé apparemment. J'aurais pu le mettre public. Donc maintenant, ça fait que si je retourne ici, vous voyez, sur mon répertoire, on peut voir que ici j'ai un dossier privé qui s'appelle Notre Beau Cube et j'ai d'autres projets qui sont ici qui s'appellent Public ici. Alors, je suis pas fan de, j'ai oublié son petit début ici, donc je vais aller le changer et je vais aussi le rendre public. Si je veux le changer de public, je vais aller dans Settings. Ici, je vais mettre le début ici, Rename. Voilà. Je vais aller dans le Settings, je vais descendre tout en bas et je vais dire que non, je veux le changer, je veux le rendre public. Parce que j'ai oublié de le rendre public au départ.
Il me dit, attention, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Je dis, oui, fais le public. Alors là, il me demande mon mot de passe. Si vous avez une double authentification, il va aussi vous demander la double authentification. Hop, hop. Et voilà. Je l'ai rendu public et je l'ai partagé. Alors attention que c'est ici qu'on peut le supprimer, qu'on peut faire pas mal de choses. Il vous demande normalement de faire une double authentification sur votre compte. Je vous conseille vraiment de faire une double authentification sur votre compte. Parce que si vous vous faites hacker une seule fois par quelqu'un qui veut du mal, il peut vous supprimer tous vos projets. Alors, vous les avez en backup sur vos ordinateurs, sur vos disques durs et tout, donc vous pouvez les remettre en ligne. Mais ce serait vraiment dommage de se faire hacker et de perdre des jours à tout remettre en ligne, juste parce qu'on s'est fait hacker. Donc, mettez une double authentification quand vous avez le temps sur sur votre compte. Ok, je vous souhaite une bonne journée pour si vous n'êtes pas au cours et que vous regardez cette vidéo à part du cours. Que le code soit avec vous, que le design soit avec vous. On se voit dans la prochaine où on va simplement faire du MetaBlock.